J'ai Ok. tout. Oh, j'ai Alex. Après, on avait bien perdu avec Alex, hein. J'ai vraiment que Alex, par contre. Ah, Toki, ça peut être ok, hein. Ouais. Ah, je sais pas. Moi, c'est pas évident, hein. Floop, c'était bien. Ouais, je prends Floop, je pense. Je prends Toki, comme ça j'essaye de choper les trucs bien. Que tu pourras copier. Ouais. Parce que Alexstrasza, c'était greedy, hein. Allez. Ou alors Rat King. Allez pour Rat King. Allez, Floop, au nouveau. Ouais, Sandy, elle copie la carte avec le plus d'endurance. Donc, ouais, vu que je joue Murloc, j'ai full stat et une créa. Et en plus, ça copie exactement la carte. Donc, avec les boucliers divins, c'est pété. Là, tu prends le dragon, non? La 0-3, ouais. Non, là. Tu en fais quoi, ta cœur? Bah, tu fais une 3-3. Non, ou Je sais pas, 5 attends. plus 1. Ah, c'est pas évident là. Je prends la 0-3, non? Ouais, prends la 0-3. Je up. Ensuite, j'achète 2 et ensuite, je up pouvoir héroïque, non? Ah, je sais pas. Ouais. Floop au début de mon tour, en gros je paye 0, je cible une créa et elle devient la créature de mon pote, celle qui a le plus de PV. D'attaque, je crois, Ou d'attaque. d'attaque, d'attaque. Bah, je pense, je freeze, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça la transforme. Donc, si jamais ouais, Tars il arrive à avoir une grosse créature avec bouclier divin, c'est pété. Donc là, moi, j'achète la 2-2, je revends, j'achète un truc. Ouais. Et tour d'après, tu fais 5 plus pouvoir héroïque. Bah, up plus pouvoir héroïque. Et je freeze, ouais, ok. Oh, tu sais ce que je peux jouer? Je peux jouer grand bleu peut-être. Si j'y arrive. Ah ouais. Et toi, tu Ouais. copies. Ouais. Oh, c'est naze. Oh, c'est pas mal ça. Ouais. Ça, toi, t'as quoi? Dans ce cas-là, tu peux acheter le dragon, je pense que tu le garderas dans ta curve. Ouais. Parce qu'en plus, sinon, tu vas copier la 4-1, c'est pas top. Ouais, mais après là je vais pas copier sur ce coup. Pas faux. Je crois, mais non, je vais pas copier. Oui, non, tes créas sont meilleurs. Pouvoir de Fichou, du coup, il copie mon serviteur avec l'attaque la plus haute à la place d'un de ses serviteurs. En gros, ouais, tu démarres avec une Sandy, quoi. Ah non, 110, c'est les PV. Oh, c'est plus ou moins pareil souvent. Mais... Ouais, 110, c'est les PV. Waouh. Oh, ça va être chaud. Oh! Oh! Incroyable! Incroyable.
Oula. Ouais. La 5-3, Naga, elle est trop bien. Et je pense que tu feras souvent achat, pouvoir achat. Je peux aussi prendre la théière parce que si je booste la Naga, elle sera encore plus forte. Quand même, ouais, la théière, elle est comme ça, 9-9. Ouais, et puis ça te permet de copier le... Je vais tout mettre sur la Naga. Je sais ce que je vais faire. Attends, en termes de pièces... Ah si, je peux. Bon, je fais un truc un peu exotique, mais je pense que c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. J'achète la valeur cœur et je te le file. Oh! Oh, c'est trop smart. T'es trop malin, Fichou. Ouais, ça va être pété, ça. Parce que du coup, moi, je le booste avec la théière, puis je le booste avec le tonne. Et en plus, tu vas le copier après. C'est génialissime. Putain, Fichou, t'es trop fort. On va faire top 1. Bah, y a moyen. C'était trop bien joué ton tour. On va être trop fort là au prochain. J'achète ça. Donc moi, pour mon pouvoir, il faut que j'ai une petite créa. Donc en fait, je peux acheter genre lui qui a un effet sorcellerie et faire pouvoir dessus. Et comme ça, ma 2-2, elle va se transformer en une 7-12. Enfin, c'est incroyable. Tu penses que du coup, la 7-12, je la recule un peu là? Non, là c'est la first. Même si je joue en deuxième. Ah bah, je pense qu'en mid game c'est ok. Ok. Mais en vrai, c'est même possible qu'en late game ce soit ok. Parce que si par exemple il reste un truc, genre je sais pas, en late game à 30 PV, t'as pas envie d'envoyer plein de petites créas dedans. Bon, je risque pas, moi c'est nazi. De toute façon, mon but, ça va être de faire une giga créa. Bah, en fait, avec la tempo que t'as... Non, tu me dis de up à chaque fois, Fichou. Non, stop. Non. Non, bah, toi, en plus, tu peux... Attends, t'es à 23, là Alors, faut voir en termes de mana comment ça se met. Mais franchement, là, ta tempo, elle est monstrueuse. Hein. Et puis, moi aussi, la mienne, le fait d'avoir une 7-12, qui en plus va être encore plus... Bah, franchement, je pense qu'il faut que tu... On verra. Oh non, tu vas encore me faire... Après, on va perdre, il va dire putain, on a trop up. Oh non, il y a déjà Elise en face. Oh le drame. Oh le drame absolu, Elise. Oh, je prends les deux boards. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, le 15. Le 15 au tour 5. Bah, ça tombe bien parce qu'il faut les tuer au tour d'après. Oh! Ah non, ça marche pas. J'allais dire j'ai un maracas mais t'as pas de deep blue. Attends, je fais un pouvoir. Oh, je peux te donner le trip sur... Ah oui. Je te l'envoie. Ouais. Hop, et comme ça t'as juste à up et... Ouais, c'est ça. Attends. Ça, c'est strong. Ça me paraît fort. Hein. Bah, passe-moi Maracas, du coup. Hein. Ouais. C'est ce qui pourra m'être utile. C'est dommage, j'ai déjà joué mon spell, mais... Oh, j'en récupère un autre. J'ai fait sur Maracas. Attends, mais je me roll dans ce cas-là. Ah oui, excellent. À la valeur cœur de plus. Yep. Oh là là, la dinguerie! Ah, c'est pas mal, hein. La dinguerie de la sortie, là! Ok. Voilà, en vrai, en général, quand on commence à avoir plein de cartes en main, c'est qu'on peut up. Hein. Après, moi, ce sera bon.
si moi je peux faire pouvoir héroïque, chercher Deep Blue et rester Maracas, c'est trop bien aussi, tu vois. Mais après, je peux aussi, c'est vrai que je peux aussi up pouvoir héroïque et il y a des tas 25 qui sont bien. Non, parce qu'en t'as 25, t'auras des trucs sympas. Même la nouvelle Naga, t'as 25, je pense qu'avec ce board, elle est à peu près OK. Quoique. Ah, oh, bah là, on est trop fort. Hein. Moi, j'ai un 10-20 plus ta grosse créa. Il y a un truc qui change beaucoup aussi, le fait d'être que 4 dans le lobby, c'est que t'as beaucoup plus intérêt à poutrer des autres que juste ouais. Survivre. Ouais, ouais. Ah, ils sont morts, yes! Waouh, la délivrance! Ah, je peux te filer un Maracas. Ah, mais c'est trop bien! Attends, je te file Maracas. Attends, faut que je fasse des spells dessus, non d'abord. Genre, et je récupère le sort. Oh, incroyable! Vas-y, tu peux me filer Maracas. Je peux te filer ça, ça mange pas de pain. Ouais, je jouais full Naga. Hein. Ah ouais. Comme ça, moi, dès que j'ai des trucs cool en Naga, je te file. Ah, je dois peut-être te rejoindre pour ce truc-là. Ah. Bah, je vais tirer ça, ça mange pas de pain. Bon, là, j'ai fait un tour vide. Hein. Ouais, t'es pas mal là, il faut à tout prix le Deep Blue quoi. Et encore, est-ce que c'est pas trop tard? Ouais, du coup ça monte quand même. Peut-être qu'on se. Vu que les games sont rapides, peut-être que Deep Blue c'est trop tard. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en vrai, je me demande s'il faut pas que tu up pour essayer de récupérer le Naga, tu sais, ta 25 en doré et partir vraiment en tempo comme ça. Et en taverne 6, c'est pas bien les Naga. Hein. Si, la Tissa c'est une bonne carte. Hein. Là, je suis taverne 4, ouais, c'est sympa. Donc j'ai des 5 avec un pouvoir héroïque. Par contre, c'est vraiment un bord de fou. C'est vraiment pas normal que le mort il retaque. Enfin, genre là, tu vois, ils se sont fait sortir et ils se font retag. Nous, on attaque deux fois de suite les mêmes. Là. Ouais. Donc ça veut dire que le Renault, ils vont être très forts. Ok, on tag le mort. Ok, donc là, je up. Bah, je vais te donner un mur aux ondes, un truc comme ça. Genre, t'as quoi? Non, moi, je vais te donner un mur aux ondes. De toute façon, c'est toi qui carry, hein. Moi, je fais aussi l'autre. Ça. Ça. Ça, je fais ça. Fais ton pouvoir avant, non? Oh, waouh.
Je reprends celle de gauche. Ouais, essaye de le tripler lui. Hein. Waouh. Ça, la compo de ouf là. Attends, tu peux. Ouais. Putain, avec la 4-4 et tout, il y a trop de... Là, je te laisse jouer, il y a trop de trucs là. T'as carré que ça marche avec le fin de tour, non? Ouais, fin de tour, par exemple. Ça, je sais pas ce que j'en fais, mais... Ouais, ça sert pas à grand-chose, ouais. Ça me fait un sort de plus, c'est quand même bien. Ouais. Faut que t'arrives à caler la Dracari. Ah merde, tu m'as donné un truc, c'est vrai. Bah, c'est beau ce que t'as là. Ce qui est dommage, c'est que je gère pas beaucoup de sorts différents. Donc ça coûte pas tant que ça le taverne 5. Ouais. Enfin, t'as la petite Naga taverne 2, tu sais, qui donne une carte de la même race. C'est un sort, tu peux la prendre. Ok. Je vais te donner elle, attends, à toi. Ouais, je te donne ça. Okay. Ça te fait un sort de plus. En fait, je vais te filer. Attends, c'est moi qui te donne les sorts. Genre, je te donne ça. Je te donne ça. Est-ce que je suis inspiré dans cette game? Un péon. Ah, j'ai des blues, mais c'est trop tard, non? T'as quoi? Deep Blue. Non, c'est trop tard. Après, ça te fait un sort. Ça te fait +4/+4 à la fin du tour. Putain, je relance quoi? Je relance ça. Ça, je vais prendre. Moi, je veux partir en scam, hein. De toute façon, là, en gros, il y aura... Putain, je sais même pas. Ça, j'en veux pas. Putain. Donc ça se transforme. Attention, non, les gars, parce que si je fais mon Naga sur Maracas, c'est Fichon qui les récupère. Hein. Moi, je les ai plus sur mon board, donc c'est pas une bonne idée. Non, c'est quoi ta plus grosse créa? C'est une 50. Putain, 56-71, je vais copier ça, quoi. Plus max. Elle est sympa ta compo, parce que tu profites vraiment de la nouvelle taverne 5 en plus. Ouais, bah là en plus j'ai joué plein de trucs différents ce tour-ci. Même une gemme ça marche? Ah, les gemmes ça marche aussi, ok, effectivement. Ouais. Ouais, la pièce, les gemmes, tout. Après ça tout sort en fait. Ils sont énormes en face, hein, potentiellement. Là. On tue les singes, c'est cool. Parfait. Oula, c'est fort ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que moi je suis arrivé à faire draw alors que mon board il est nul. Juste avec ta créa en fait. Je vais te donner des gemmes. Tu veux un Bran? Ça me coûte rien de te le filer. Hein. Non, je vais partir en scam avec des Leroy, des conneries. Non, je te donne des gemmes. En vrai, je vais même. Ah non, il n'y a pas de Murloc.
Non, on va essayer de trouver ce Bran. Je peux te filer le truc qui met 15-15 là. De toute façon, il faut que je te file un truc. Hein. Vas-y, je te passe ça. J'en ferai rien. Ouais, ok. J'en ferai rien. Je vais mettre sur Nizu à haut, tiens. Merde. Ah, c'est dommage. J'ai un cadeau pour toi. Tiens, amuse-toi. Oh wow. J'ai pas joué de pièce, je crois. Merde. Donc là, putain, pour vous expliquer, j'avais aucune sorcellerie à jouer. Grâce à mon gloop, la 6-6 va devenir une 80-95. Et la Sandy, c'est les PV. Ah non, c'est l'autre. Il y en a une qui va devenir une 90-92 et l'autre, elle va devenir une 80-95. Et en même temps, et à côté de ça, j'ai quand même lui qui value. Ça peut faire de la magie. Ouais, c'est intéressant les boards. C'est les nouveaux boards scam en fait. Putain, c'est dommage que j'ai pas eu de... En fait, j'ai eu aucune sorcellerie à jouer sur mes créas. Ah merde. Sur Maracas et l'autre. Mais bon, ça va faire des petits coups quand même avec les jamais des pièces. Hein. Ça va être bien quand même. On était large devant. Hein. Attends, mais c'est deux top 1 de suite là. Il y a moyen. Là, on est tour combien? Tour 10? Non, mais c'est peut-être plus capé les 15. Ou c'est... Je pense que c'était capé jusqu'au tour 10 ou quelque chose comme ça. Je pense, ouais. Ah, c'est gros en face là. Tu m'en laisses un peu là. Ah bah là, j'en chie un peu. Hein. Tu vas, je pense. Hein. Non. Non, bon, on est bien quand même. Alors, je te donne un sort. Ok, de toute façon, je fais ça. Bon, je te donne un sort. Et je vais mettre le Leroy pour finir. Let's go. Parfait. Merde, j'ai bien un regard. L'éclaireur patient, il aurait pu te donner le Naga de 1 qui donne une pièce. Ouais, je viens de récupérer là, c'est bon. Ah, ça sert à rien d'en avoir deux, mais bon. Le temps de jouer quand même. On va faire ça. C'est attaque que tu récupères? Non, c'est PV. Hein. Ah non, c'est les deux. Bah, les deux en fait. Sandy et mon pouvoir. Ouais. Okay. Donc, ça sert à rien d'avoir les deux là, mais bon, tant pis.
Oh là là, le bord plus 20. Ok, plus de singe. Ça, le Nizuao, il a tapé deux fois dans les bananas là-bas, quoi. Ouais, ça devrait être bon. Oui. Non, oh non, oh non, oh non. Ah bah, de toute façon, on était large devant. Il s'est barré. Attends, mais pourquoi il y en a un qui est à moins 11? Il y en a un qui s'est barré. Fais comme si de rien n'était, Fichou. T'inquiète, t'inquiète. Ok. On a rien vu, hein. Ok. Te le donner, le Leroy. Oh, tu peux me faire tripler le truc là. Ah, non, j'ai pas, j'avais pas assez de pièces. Ok. Je le gèle pas, ce serait insultant pour nos adversaires. T'as de la place sur ton board, non? Non, non. Ah, mais là, j'ai... franchement, mon board il commence à être pas mal avec la Sandy et le pouvoir. J'ai plein de cartes tech. Ils étaient à 10, ils sont passés à 21. Bah j'avoue, j'ai pas trop compris. Tu voulais dire qu'il y a un bug? Non. Non. Je refuse d'y croire. Je suis en premier ou en deuxième? En premier. Je vais donner Taunt à Leroy. Hop. Là, les petits loups, ça va être la dernière game. Hein. Enfin, c'était la dernière game. C'est la dernière, ouais. Parce que chez nous, il est 14h et ça se finissait à 14h. Mais incroyable, franchement. Mode de fou. Donc, ouais, je rappelle, le mode, il devrait sortir 2024, normalement. Après, ça peut être début d'année, fin d'année. On sait juste qu'ils sont en train de le. Voilà, là, c'est pas forcément la version finale. Mais comme ça, c'est déjà assez exceptionnel. Ok. Bon, moi je vais partir en live IRL du coup. Donc bougez pas, ça arrive très bientôt. Je vais lancer le stream là. Ok. Et je vais vous faire faire je te code le Discord. Ciao ciao le chat de Tars. Ciao. Ciao Fichou. Bon, j'espère que ça vous a plu. Première place et deux top 1 de suite. Hein. Il fallait qu'on trouve les mécaniques et après on était bon, c'était vraiment exceptionnel. Donc je vais tout de suite lancer le live en IRL dès que je trouve comment on fait. Et Maverick va me switch, je vous laisserai changer le titre aussi. Donc, attendez, il faut que j'allume ici. Hop, et ça va être bon très bientôt. Ah non, non, attendez, hop, hop. Et comme ça, on reparle un peu de tout ça, je pourrais en parler avec vous en me baladant dans la BlizzCon. Mais j'espère que, vous a plu, que ça vous a plu là, ce mode de jeu, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'allume le micro. Et bon, je vais laisser mon trombone là quelques temps. Et on va être bon.